À Ondres, la communauté de communes du Seignan a présenté au cours d'une réunion publique son plan local d'urbanisme intercommunal, un document stratégique obligatoire qui traduit les volontés politiques des élus des 8 communes pour leur territoire. Quand on parle PLU, on pense effectivement logement, mais il y a également toute la partie développement économique, commerce, les mobilités, donc tout ce qui a trait au déplacement, mais aussi au stationnement. Toute la partie aussi préservation de l'environnement, tout ce qui est biodiversité, nature en ville, préservation des terres agricoles pour permettre bien sûr aux agriculteurs de développer leur activité sur des terrains qui soient les plus nombreux possibles. Alors qu'on a vu que dans les dernières années, les terres agricoles ont été diminuées. Sur tout le territoire national et y compris dans le Seignanx, et qu'il y a eu aussi beaucoup trop d'imperméabilisation et de bétonisation de nos espaces. Et donc le PLUI du Seignanx devrait inverser ces tendances-là pour avoir un territoire beaucoup plus vertueux. Un PLUI doit anticiper les besoins de ses habitants et les enjeux climatiques à venir et donc imaginer le territoire de demain. Un plan local d'urbanisme intercommunal, c'est se dire comment on va vivre ensemble demain. Et ça, c'est quand même une question qui est fondamentale et qu'on a envie de prendre. On a envie de prendre du temps et on a envie aussi d'adapter nos nouveaux modes de vie à la réalité de nos villes qui ont des fois plus de 2 siècles. C'est pas toujours aisé, mais en tout cas, c'est un drôle de défi et je trouve que c'est aussi exaltant de s'y mettre à plusieurs avec les habitants. Sur le Seignan, le PLUI tend vers un territoire plus vert, plus accessible et avec plus de proximité. On est poussé par le sujet environnemental. Ça, c'est clair que le sujet, on l'a vu, que ce soit au niveau des risques, mais aussi surtout sur cette volonté maintenant de tous de s'adapter à la nature et pas que la nature s'adapte à nous. Ça, c'est clairement, je trouve, l'aspect qui revient le plus dans notre futur document. Et ensuite, le sujet du logement, hein, on le voit, ça revient régulièrement. Et surtout, comment arriver à faire baisser les prix. Donc le logement, je dirais, c'est l'un des enjeux prioritaires. Et enfin, comment on provoque la rencontre dans la ville, parce que les solidarités, le lien social, il vient de cette rencontre. Et je trouve que déjà on a un triptyque là, environnement, logement, rencontre. Je trouve que si déjà on arrive à tendre vers ça, on sera pas mal. Pour plus d'informations et poser des questions aux élus du Seignan sur ce PLUI, une seconde réunion publique aura lieu le 7 novembre à Saint-Laurent-de-Gosse.